Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de commencer à vouloir faire mes ongles parce qu'ils ont juste plus d'allure. Là, j'étais à moitié d'un film, On souffle la romance sur Netflix. C'est un vraiment beau film de Noël. J'aime ça parce que c'est rare les films que c'est... deux hommes homosexuels, ça fait vraiment changement, puis je trouve que c'est vraiment une belle histoire. J'ai allumé ma bougie de sapin frais de Aura, donc vraiment ça sent le ciel. Puis sans oublier que j'ai allumé le sapin. J'ai bu un petit café, mocha menthe poivrée ce matin, puis mangé mes trois clémentines. Fait que je veux pas trop être redondante parce que je fais souvent la même chose. Mais là, c'est ça, je vais commencer à m'enlever mes ongles avec un dissolvant de Luki. J'ai mes accessoires, quelque chose pour les cuticules. Fait que là, ben, je vais faire tout ça pour enlever. Puis ça se peut que je fasse juste comme mes ongles plus tard en après-midi, après la popote, parce que je la commencerai quand même assez tôt. Fait qu'on se voit dans nos journées. C'est un dimanche pour moi. Bon, donc pour avant de commencer, je me suis habillée. Je peux-tu vous montrer? Je sais jamais où vous mettre pour vous montrer mon habillement. Bon, fait que ça c'est comme des leggings de Noël. C'est l'entreprise Sweet Leg, là. C'est comme, je sais pas comment dire, tu sais, il faut que tu connaisses une représentante, là, mais en tout cas. Puis j'ai mis mon chandail de Banff, de Harley, avec des pantoufles. Une toque, mais non, une queue de cheval. Puis là, je m'en allais partir mon lavage. Dans le fond, c'est simple. Moi, j'ai du Tide, du Downy, c'est fini là. Fait que ça, c'est simple pour ma machine à laveuse. Normal, couleur, normal, Deep Prince, c'est fini là. Je montrerai après ça Là, la mission, c'est d'enlever, c'est de faire la vaisselle de tout ça. Mais en fait, de faire la vaisselle, remplir la vaisselle, tout enlever ça. Puis après ça, commencer à évaluer quelle recette je fais en quel moment. Parce que le secret pour moi, personnellement, dans la cuisine, c'est de faire une recette à la fois. Sinon, ben, à moins. Moi qui en ai une dans le four, je peux commencer l'autre, mais je peux pas faire cuire plusieurs recettes en même temps. C'est déjà arrivé que mon spaghetti était cramé, fait que ça m'insulte bien raide. Fait que je vais sûrement commencer avec le spaghetti parce que ça prend 3 heures à cuire. Puis oh, peut-être qu'on pourrait se faire des michillas ce midi, je sais pas. Que premièrement, on s'occupe du lave-vaisselle et de la vaisselle. Bon, vous excuserez la laveuse qui part. Je m'apprête à commencer, c'est ça, comme je disais, ma sauce à spaghetti. C'est niaiseux, là, mais c'est une des... Oups! Je me suis clairement arraché un bouton. Donc, c'est pas pour me vanter, mais c'est une des meilleures sauces à spaghetti, comme tout le monde me dit. Autant que ce soit ma famille et mes amis. Même ma meilleure amie l'a fait goûter à sa soeur parce que j'y avais donné un pot. Puis c'est aussi comme quelque chose que j'aime ça donner à Noël parce que c'est comme quelque chose qui vient de moi. Fait que souvent, j'en donne à quelques petites personnes. Fait que tout se retrouve dans un highlight dans mon Instagram. Puis j'ai même fait, comme là, elle est petite, là, mais sur mon Instagram, vous avez une grande feuille full bien faite indiquant c'est quoi ma sauce à spaghetti. Fait que, dans le fond, la mienne, c'est une sucrée mi-légumes viande. Dans le fond, mon secret, c'est une demi-canne de sirop d'érable. Puis moi, pour l'instant, je prends celui de Kim de Mers, que j'adore. J'avais commandé 12 cannes.
Puis je devrais être bonne jusqu'au prochain, sa prochaine batch de sauce. De sauce. Sa prochaine batch de canne. Fait que on commence ça. Fait que je vais vous mettre en accéléré parce que je pense que j'ai une vidéo en quelque part sur mon YouTube. Sinon, ben tout dans mon highlight Instagram que je vous invite à me suivre si jamais c'est pas déjà fait. Tout est là. Fait que genre chaque étape est précieuse. Puis là, justement, j'ai mis des gants là, pour mettre pour faire la vaisselle. Là. Ça m'a pris au moins un bon 20 minutes de vaisselle parce que ben je voulais que tout soit propre. Puis le lavabo aussi disponible. Fait que on commence ça. Et puis à chaque ben je vais écouter des petits vlogs comme là j'ai celui de Eve Martel qui joue. Tantôt j'ai pendant la vaisselle j'avais deux filles ordinaires. Que je vais me rattraper dans mes vlogs aujourd'hui. Changing là, c'est vraiment un opener électrique. Genre, si vous pouvez vous acheter ça, ça vaut la vie. C'est 20$. Moi, je le demanderais si j'étais vous dans un échange de cadeaux ou à Noël ou à votre fête. Depuis que j'ai ça, j'ai déjà pété, je pense, 4 ouvre-boîtes ici. Genre, ça, c'est la vie. Fait que là, j'ai ouvert toutes mes cannes. J'ai été aussi prendre. Moi, je vais mettre une. Ben, en fait, ça, c'est la moitié. De les sauces, l'assaisonnement pour sauce à spaghetti. Ça se trouve proche du rayon des sauces à spaghetti. Puis là, ben c'est ça. Là, pour que ma viande, il reste plus de rose pour que je puisse la transférer. Puis ça, c'est un goût particulier. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je suis pas cuisinière, je suis pas chef non plus. Moi, je vais égoutter ma viande parce que j'haïs la. Il y a trop de gras dans celle du Costco. Fait que carrément, je vais prendre la passoire puis je vais. Et goûter ma viande. Oh oui! Fait que c'est un petit. Ça vous tente. Parce que sinon, il y a ben trop de gras, là, ça n'a aucun sens. Surtout un gros paquet de main. Puis là, ben, c'est ça. Je continue. Je range de temps en temps des affaires. Puis là, ma laveuse est à veille de sonner. Ouais. Je vais la mettre après ça sur mon rack à linge. Puis je vais vous montrer comment je fais ma sécheuse aussi. Finalement, j'ai dû pogner une batch parce qu'il n'y a pas tant de gras. L'autre fois, c'était presque à ras-bord le gras. Mais là, je vais la laisser finalement. Comme. C'est quand je bouge, là, il n'y en a pas tant. Ben, il y en a, mais il n'y en a pas autant que j'ai déjà pogné. J'essaie de aussi moins brasser pour laisser des chunks, mais c'est pas facile. C'est trop un gros paquet, là, le paquet du Costco. Puis, tu sais, si vous voulez, ma recette, elle se fait aussi divisée en deux. Il n'y a pas de trouble. Là, comme. Vous faites ce que vous voulez, puis vous pouvez même la changer, puis juste prendre au pire mon ingrédient secret, ça vous tente. Puis ça, c'est une grosse marmite que j'avais eue, où on me l'avait donnée, mais c'est la collection du IGA, là. C'est vraiment nice. Vraiment. Fait que là, il me reste juste à tout transférer. Les sauces, là, je vais mettre tout de suite les épices dans la viande, puis après ça, je vais tout mettre dedans. Puis ça part pour un... Oups, j'ai failli tomber. Ça part pour un... 3 heures à feu minimum. Je vais venir tout mélanger
la sauce. Puis faut vraiment aller dans le fond pour tout prendre les légumes. Fait qu'un petit 3 heures, ça va sentir tellement bon. Puis c'est vraiment comme. Je suis vraiment fière de ma recette. Là. Okay, j'espère que si jamais vous la faites ou que vous vous en inspirez, que vous allez me taguer. Ça serait vraiment nice. J'aime ça voir si ma recette marche, puis si elle plaît à d'autres gens. Mais bon, moi, à date. Finalement, tout ça de gras resté, ben, je l'ai pas goûté comme j'allais dire, puis oh, finalement je trouvais qu'il y avait trop de gras, mais c'est juste comme en transférant la viande. Ça ressemble à ça. Fait que ça, on laisse pas trop loin. Là, ce que je vais faire, c'est je vais nettoyer les cannes de tomates. Puis aussi, l'autre petite chose, là, c'est les couvercles de canne, là, rincez-les aussi. Mais ce qu'il faut faire, c'est absolument les remettre dans le fond de la canne. Je me souviens pas si, je pense que c'est Mila Taillefer qui en a parlé l'autre fois, mais dans le fond, elle avait été visiter un centre de recyclage. Puis ça, là, c'est super coupant pour ceux qui font le tri de recyclage. Fait que pour leur donner une chance là, dans tout leur métier. C'est ça qu'il conseillait de faire. Puis le restant de sirop d'érable, ben, je vais le mettre dans mon petit pot à sirop d'érable. Bon, fait que je viens de trier. Fait que ça, c'est tout le linge à sécher sur ce rack-là. Ça, c'est tout le linge de travail. Moi, j'ai pas de lumière là, dans mon. J'ai pas voulu payer pour avoir une lumière dans mon. Dans ma sécheuse. Mais il voulait parler des trois boules de laine. Je pense que c'est de l'alpaga. Donc, je les ai pris chez. Bougie Harmonie, puis si jamais ça vous tente, c'est vraiment un beau cadeau de Noël à offrir ou à demander. Surtout même dans un échange de cadeaux, je trouve ça super facile. Puis j'ai un code promo. Si jamais vous voulez chez Bougie Harmonie, tous mes codes sont en barre d'infos, comme toujours, parce que je trouve ça le fun de pouvoir vous faire bénéficier de genre d'un petit cadeau. Fait que c'est simple, tu fais juste mettre les trois boules, puis ça finit pas mal là, puis après ça, ben, pour ça. Fait que Will nous a préparé des smoke meat. Avec, il faut absolument de la moutarde au miel. Et là, le chef Cuistone me dit de mettre du sucre. J'en ai trop mis. Ah ouais, t'en as beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop, hein? Oui. Cata. T'en veux-tu? Ah, merci, t'es fin. D'éponger mon sucre. Merci beaucoup. Le tour au pâté chinois. Donc, avec cette fois-ci, c'est de la viande chikuan. Deux cannes, petite épice, de l'ail, de l'oignon et des patates. Steak bling patates. C'est pas mal l'affaire la plus facile. Puis là, je suis rendue au vlog d'Amélie. Bon, fait qu'il me reste juste les patates, j'ai assemblé steak bledin. Je vais faire peut-être un petit peu plus de patates pilées pour avoir un accompagnement cette semaine. Puis là, je suis rendue à ma prochaine popote que je veux faire. Fait que c'est des palmiers aux champignons, puis j'avais pas mal tout ça. Fait que c'était quand même facile. La seule affaire que dans le fond, l'oignon, je me suis trompée hier, j'en ai pas acheté. Fait que je vais remplacer l'oignon par sûrement deux échalotes françaises. Sinon, j'ai pas mal tout le reste.
je commence à mettre un peu de lait. On y va à l'œil, là. Il n'est pas très, très scientifique. C'est, ça, c'est du fromage en grains que j'avais congelé. Un petit peu. On y va encore à l'œil, comme je vous dis. Puis il est encore congelé un peu, par contre. C'est pas grave, ça va bien aller dans les patates. Sinon, ce que vous pouvez mettre, ça serait du fromage mozzarella, tout simplement. Puis là, j'ai ici un peu de Philadelphia. Mettons un quart de thon. Sel, poivre. J'ai déjà salé tantôt mon eau, fait que je vais juste rajouter poivre. Puis là, il faut mon plan. Bon, je fais un test pour il me restait de la pâte, fait que j'ai mis du Nutella puis j'ai roulé, fait qu'on va voir si ça marche. J'attends juste que le four tombe à 400. Là, elle est prête, je la laisse décanter, puis vous voyez là, sur le top là, il y a tellement pas beaucoup de gras là, genre c'est ça, c'est exactement ça qu'il fallait. T'sais, le reste c'est juste comme de l'acide de la tomate là. Que je suis vraiment contente de ma sauce à spag. Je fais juste la laisser, sûrement que je vais la mettre juste ce soir dans des pots, le temps qu'elle revienne normal. Puis là, je m'essaye. Là. Je fais le sucre à la crème de sœur Angèle de Ricardo. Mais selon les commentaires, c'est une des pires recettes au monde. C'est un peu bizarre. Puis là, c'est une recette au micro-ondes. Mais j'ai juste... ah oui, là, j'ai aussi mis la playlist de Ricardo là, pour un Noël en cuisine. Là. Petite playlist sur Spotify si vous voulez. Mais c'est ça. Fait que là, il faut exactement un 8 tasses. Puis moi, j'ai juste un 2 tasses. Excuse, un 4. Un 2 litres, moi j'ai juste un 1 litre. Fait que je vais faire la moitié de la recette. Puis on va voir si ça marche parce que ça a l'air d'être la pire recette à faire au monde entier. Fait que je me suis sûrement tirée dans le pied. Ça sera sûrement pas mangeable, mais bon. Mon premier test de sucre en crème. Mais ouais, à date, c'est très collant. Je pense pas que je l'ai réussi. Au pire, ça sera tartiné sur des crêpes. Bon, c'est l'heure du thé, fait que j'ai pris Secret du Père Noël, qui est, ça a comme des petites cannes de bonbons. Non, bon, rendu là, on va le finir, vu qu'il reste juste ça. Puis ça, c'est comme, il y a du, un thé noir, là, c'est plus comme un thé, comment dire, d'après-midi, genre. Petit setup habituel pour faire du montage. Ça ressemble à ça. Je suis pas sûre que ça va être bon. Bon, ça va ressembler à ça, mes ongles. Oh, je pense que la lumière est pas tant bonne. Fait que c'est ça. Juste comme. J'ai fait ça de même. Fait que là, j'ai la couleur ange de Luki. Pour le. J'ai givre pour le gris. Puis pour le. J'ai étoile pour ça. Que j'aime bien mes ongles, j'aime bien. Puis là, ben, je suis en train de... J'ai monté un vlog, puis là, je suis en train de monter un autre vlog. Bon, fait que le verdict à Will, ça goûte exactement comme lui à sa mère qui a fait la même recette que moi. Ben, j'ai fait la même recette qu'elle. Ça en donne pas beaucoup, par contre, j'aurais dû faire la double de batch. Mais bon. Mettons que je vais pas en donner beaucoup.
Ça va m'en faire. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 morceaux. Puis la recette complète, je pense que c'est 60 morceaux. En tout cas, je vais sûrement l'apporter juste à la job pour que le monde en mange. Puis ben, je peux pas, genre, faire une batch si ça me tente. C'est juste pour dire que dans le temps des fêtes, j'ai fait du sucre à crème. C'est juste pour dire. Juste. Ça ressemble à ça, les palmiers que j'ai faites. Donc là, ils sont encore à moitié congelés, là. Bon, c'est pas l'affaire la plus jolie au monde, mais ça ressemble à un palmier. Fait que je vais les mettre dans un sac. Ça va être pour Noël. Sûrement, je vais apporter ça à un des... Sûrement chez ma mère. Peut-être. 10 pots de sauce à spag. Ça me rend tellement heureuse. Ça n'a aucun sens. Genre juste du bonheur en pot. Puis là, j'ai mis mes retailles de palmiers juste pour goûter, pour voir comment ça va être avoir des apportés à la fin de nos parties de Noël. Là. Bon, on est rendu au test de goût pour les petits palmiers en forme de cœur. C'est tellement... C'est comme un cœur... C'est plus un cœur qu'un palmier, finalement. Bon, fait qu'on goûte à ça. Peut-être plus le côté que des champignons. Oui. Très, très bon. Si vous aimez les champignons, là, très bonne entrée. Ouais. Bon, on est prêt pour l'heure de vérité. Beurre, pain, légumes pour juste moi. Fait que j'ai mis des champignons puis des brocolis. De la viande rouge, de la viande, du poulet. Le bouillon est déjà à l'intérieur, une petite puise. Ici, on a des crevettes, des cubes de fromage pour faire des baluchons et faire cuire notre fromage. Ça, c'est la sauce à Will. Tout le monde se demande c'est quoi. C'est mayo, cerise, marasquin et du... et c'est quoi déjà l'autre affaire? C'est du sirop... Le sirop rouge, là, la grenadine. C'est une recette de famille. Tout le monde dans sa famille mange ça. Fait que ça... Puis moi, ma recette à moi, c'est de la sauce à la diable qu'on va partir. Donc moi, c'est sauce à la diable. Si vous voulez googler, c'est ketchup, sauce chili, ail, échalote, poivre et moutarde sèche avec la Worcestershire. Puis il faut juste qu'elle soit chaude, fait que on la part. Pour dessert, la Donc, crème glacée à saveur d'amaretto. Elle est délicieuse de chocolat favori. Moi, je l'ai pris dans un jet extra. Délicieuse. Puis, Will, je vais aller prendre un fudge. Bon, ça fait une bonne heure que je me fais du montage. J'ai réussi à exporter 4 vidéos. Fait que pour moi, ça m'enlève du stress. Parce que là, je suis rendue comme déjà essoufflée. Mais au moins, j'ai quelques vidéos. Moi, j'ai plusieurs jours d'avance, fait que ça fait du bien. Je voulais vous parler que j'ai essayé d'enlever des annonces. Vous étiez quand même quelques-uns, fait que je me dis que si 5 personnes sont venues m'en parler, ça veut dire que c'est peut-être 50 personnes qui ont la même opinion. Fait que dans ma tête, une personne parle pour 10 personnes. Fait que j'ai essayé d'enlever... Dites-moi si ça fonctionne, puis je vais checker aussi au courant, parce que là, vous êtes comme 5 jours plus tard, là, pour moi. Je vais faire des suivis, mais j'ai essayé d'enlever toutes les vidéos à l'intérieur de mes vidéos. Fait que genre, je veux juste qu'il y en ait au début puis à la fin. Puis j'ai aussi enlevé les vidéos de type obligatoire. Fait que c'est toujours une vidéo que vous pouvez skipper après 5 secondes, il me semble. Tout simplement parce que, comme, c'est ça, vous êtes plusieurs à venir m'en parler, puis je comprends que... c'est lourd pour vous, puis je veux pas, tu sais, pour moi, YouTube, c'est pas mon emploi.
Fait que c'est juste un sideline, puis pour l'instant, le prix que ça fait, c'est sûr là, que je voudrais que mon hobby soit rémunéré à 100%, mais en même temps, je veux pas que vous en désabonnez de moi à cause de ça. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un qui s'est désabonné à cause de mes vidéos, de mes pubs, ben revenez, tout simplement, dites-leur. C'est ça, fait que je trouve que ces temps-ci, c'est pas mal difficile de me faire connaître. Je pensais que le Vlogmas allait m'aider parce que c'est le fun de se faire connaître pis tout. Pis tu sais, on est quand même une vingtaine, je pense, de jeunes youtubeurs qui essayent de performer en même temps. Fait que c'est sûr que oui, j'aimerais suivre certaines personnes que je vois monter en flèche, pis je trouve ça tellement fun pour eux. C'est sûr que oui, j'aimerais ça. Moi aussi, ça m'arrive. Ça sera en temps et lieu. C'est sûr que... C'est ça. C'est une petite affaire que j'essaie de trouver quelque chose qui pourrait me faire plus connaître. C'est sûr que tout en restant moi-même et ne fait qu'en rien. Parce que moi, je crois pas à ça, là, les... Comment dire? Tu sais, les vidéos que... J'ai quelques noms en tête, là, que genre, c'est des personnes qui, genre, font juste inviter des personnes montantes dans leurs vidéos juste pour avoir du fame puis se faire plus connaître. Moi, je suis pas là. Si je suis pour faire une vidéo avec quelqu'un, c'est parce que je l'aime d'amour, que j'ai confiance en son contenu, en sa personne, puis que ça me dérange pas de m'associer dans un sens, là. Fait que, c'est ça. Comme là, c'est pour moi, c'est... Ben, peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, mais dans le fond, moi, en fait, semaine prochaine, je m'en vais revoir des amis YouTube. Puis, il y a au moins 2-3 personnes que j'aimerais ça rencontrer sur YouTube. Puis, c'est sûr que j'aimerais ça revoir le YouTube Squad. Par contre, on avait tout à des bouts du pays différents. Mais, je serais capable de faire de la route, ça me dérange pas. Ça me dérange pas de monter à Québec, admettons. Puis au pire rendu là, ben je me ferais un petit... C'est pas si... T'sais, admettons. Je dis pas que j'irai voir quelqu'un à Québec, je vais juste le dire. Là. Ok, c'est ça que j'avais à jaser sur les publicités. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Je sais que c'est un petit peu bric-à-brac ma journée aujourd'hui de papote. J'en suis exténuée, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Mais bon. J'en ressors avec la belle bouffe, fait que c'est gagnant quand même pour moi. Bon, bonne soirée tout le monde. Bye!